Et c'est reparti encore pour le voyage de Dubaï, tout frais payé. Voilà, le lundi 22 juillet, voilà, nous étions en préparation, en direction pour l'aéroport. C'était vraiment magnifique, des moments extraordinaires. Voilà, après un temps de travail acharné, être accompagné par son parrain, les quelques leaders, voilà, qui ont décidé de nous accompagner à l'aéroport. Et là, nous avons fait un arrêt pour emballer nos valises. Voilà, c'était vraiment des moments magnifiques. Voilà, et nous étions environ 32 personnes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment quelque chose de waouh. Donc, Rich nous offre l'opportunité de visiter le monde. Et là, nous étions accompagnés par des leaders. Voilà, le Big O'Jack qui nous a accompagnés à l'aéroport. Voilà, avec quelques leaders. Voilà, c'était vraiment quelque chose de waouh. De waouh. Et là, on était en position d'embarquement dans le Bouygues Emirates. Voilà, il y a avion et puis avion, comme on le dit. Voilà, il y a avion et puis avion. Et le Big Nesmo, c'était sa première fois de voyager dans l'avion. Et le décollage, des moments, des sensations extraordinaires. Je me rappelle très bien la première fois où j'ai pris avion. Ah, j'avais tellement peur. Waouh. Donc, les Big Leader, quoi, si. Voilà. Et j'avais tellement peur de ces moments-là. Je me disais qu'aujourd'hui, là, je suis mort. Mais c'était des actions vraiment extraordinaires à vivre. Et nous étions en direction pour Accra, puisque l'avion allait faire une escale à Accra pour embarquer tous ceux-là aussi qui se dirigent vers Dubaï, les nuages. C'est là, tu vois, la belle créature de Dieu. C'est-à-dire, c'était vraiment extraordinaire. Atterrissage à Accra. Donc, le temps que les autres passagers embarquent, voilà, je me formais un peu avec le networker pro. Et là, après l'embarquement, direction Dubaï pour 8h-9h de vol. Et nous sommes arrivés à Dubaï, l'atterrissage, c'était vraiment quelque chose de waouh. Et à repos, et puis à repos, hein, vous voyez un peu. C'était des moments inoubliables, inoubliables. Et là, nous sommes arrivés à l'aéroport. Bel et bien à Dubaï, nous sommes à l'aéroport, donc nous sommes en direction pour récupérer nos valises et direction à l'hôtel. Pas n'importe quel hôtel, hein. L'hôtel 5 étoiles, Pullman. C'est là-bas que nous allons passer notre séjour. Donc actuellement, nous sommes au sein de l'aéroport. Voilà, tout ça, c'est grâce à cette opportunité dont on vous parle. Venez consommer les produits et ensemble, nous allons bâtir une équipe de consommateurs, une équipe de distributeurs. Et la société va nous payer chaque semaine. Elle va nous faire voyager. Elle va nous donner des véhicules. Et elle va, en tout cas, elle va changer notre vie. Donc, je vous invite réellement, pour ceux-là qui doutent encore, pour ceux-là qui sont engagés et puis arrivé à un moment donné, le découragement s'est installé, je vous invite réellement parce que vous avez un rêve. Et ces rêves-là, vous ne devez pas laisser ces rêves-là dormir. Vous êtes un champion. Et les champions-là, ce sont ceux-là qui relèvent toujours le défi. Si aujourd'hui, il y a un ralentissement dans ton business, ça veut dire que tu dois aller à une autre étape. Tu dois être élevé. Et c'est pour cela, ce défi-là, tu dois tuer ça chap-chap. Donc, Big Leader, on est ensemble pour le sommet. Ok, donc dans tous ces moments-là, j'étais en quelque sorte le guide, puisque ce n'était pas ma première fois de voyager. Donc, j'orientais toutes les nouvelles personnes qui venaient. Donc, là, nous sommes arrivés à l'hôtel Pullman. Et là, on me dit bienvenue en anglais et tout ça, avec un message. Donc là, je vous présente ma chambre. Et j'étais seul ce jour-là. Voilà, là, j'étais pas avec mon épouse, puisque dans les voyages précédents, j'étais avec mon épouse et tout ça. Et voilà, donc cette fois-ci, j'étais seul dans ma chambre, c'était vraiment... Et après, voilà, quelques formations avec le Networker Pro, voilà. Et je vous assure, dans ce document, il y a toutes les formations nécessaires pour changer de vie, en fait. Donc, c'était vraiment quelque chose de waouh. Juste consommer pâtes et puis effectuer des voyages vraiment extraordinaires. Donc là, comme habitué à Dubaï, j'étais sorti pour aller acheter quelques articles à Dubaï Mall. Voilà. Donc voilà, j'étais avec l'un des partenaires. Voilà, un partenaire qui vit à Dubaï et c'est lui qui nous accompagnait dans les endroits. Comme vous savez, je ne maîtrise pas bien l'anglais, donc c'est lui qui maîtrise bien l'anglais et aussi l'arabe. Donc au passage, je le salue, le Big Aziz. Voilà, c'est en même temps un transiteur, quelqu'un qui effectue
l'envoi des colis à Abidjan et tout ça. Et là, nous étions au 10e étage, 11e je crois, voilà. Et voilà, 11e donc, c'est 11 étages de parking. Et c'est là que nous avons garé, voyez un peu. Et j'étais en train d'admirer la belle ville de Dubaï. Waouh, c'était waouh. Donc, quand je regarde la ville de Dubaï, je me dis comme ça que, hé, le jour nous allons transformer la Côte d'Ivoire. Donc, je pense bien que nous, en tant que leaders, si chacun se met au travail, on pense sérieusement, on pourra transformer Dubaï. Et là, le Big Check, donc là, je me dirige à ma chambre. J'étais à la chambre 635, donc 6e étage, maison 635. Waouh, donc une journée de repos. Voilà, c'était génial. Donc, je vous invite. Ce projet, il est réel. L'enrich change la vie. Voilà. L'enrich change la vie. Et toi aussi, tu peux changer ta vie avec ce projet. Si moi, je suis arrivé là aujourd'hui, ça veut dire que toi aussi, c'est possible pour toi de changer ta vie. Donc, cette vidéo, je pense bien que c'est une vidéo qui va t'amener à voir ta manière de travailler dans le projet. Et le lendemain matin, nous avons réuni toute l'équipe. Voilà. Et nous étions en chemin pour la visite de Dubaï Mall avec mes partenaires, avec le manager financier. Voilà, c'était vraiment. Et au total, nous étions 53 partenaires, plus la délégation du Burkina et tout ça. Et la belle ville de Dubaï. C'est vrai, souvent on voit Dubaï sur Internet, d'autres pensent que c'est tellement Photoshop. C'est une réalité. Vous voyez, filmé avec mon téléphone Samsung S23. Vous voyez, c'est réel. La vie est réelle là-bas. Vous voyez un peu, toutes les voitures sont propres et j'ai été surpris d'entendre que lorsque quelqu'un sort avec sa voiture, si sa voiture est sale, c'est comme si c'est une image de la ville qui donne que la ville est sale. Donc du coup, il a des amendes. Donc, lorsque tu sors avec ta voiture doit être propre. Voilà. Une ville vraiment magnifique, propre. Et comme on le dit, quand tu es à Dubaï, c'est comme si tu es dans le futur en fait. Quand tu quittes en Côte d'Ivoire, tu arrives à Dubaï, la réalité c'est que tu es dans le futur. Parce que le futur, il y a tellement de choses, les ponts, les échangeurs, par-ci, par-là, il y en a tellement qu'on ne peut pas compter. C'est en Côte d'Ivoire, on compte aussi quand on donne jour férié à Point et tout ça, mais à Dubaï, waouh, c'est le futur. Donc, je pense bien que nous, les leaders, nous devons travailler pour pouvoir réaliser ces choses-là. C'est possible, voilà, de pouvoir réaliser ces choses-là chez nous. Et je dis comme ça que lorsqu'on voyage à Dubaï et tout ça, c'est une manière allons juste de nous montrer que où nous sommes, nous pouvons faire mieux, nous pouvons travailler dur pour créer le plus de millionnaires dans ce projet. Et demain, nous allons nous associer pour créer des buildings, des hôtels 5 étoiles et autres, tout ça, un peu partout chez nous en Afrique, pour attirer du monde, pour attirer des visiteurs. Et là, nous étions à la visite de Burj Khalifa. Voilà, je rappelle que c'est pas ma première fois de visiter ces endroits. Bon. Khalifa, voilà, nous sommes au 125e étage, voilà, avec les partenaires, nous sommes en train de faire le tour avec les guides, les guides. Alors, merci. Juste un message de remerciement à tous les Papa Triomphe, à l'image de SD Adjoubien, avec qui j'ai eu la chance vraiment de partager ce moment à Dubaï. Il faut dire que c'est dans ce domaine-là où on peut avoir des gens qui se battent jour et nuit pour mettre tout ce qu'il faut pour que leur premier puisse réussir. On a essayé d'appliquer et je vous assure, personnellement, pour dire honnêtement, j'ai même pas pu d'abord appliquer 10% de ce que ces gars-là nous donnent. Mais aujourd'hui, je suis à Dubaï avec ces personnes-là. Alors, les formations, vous savez sur Telegram, les formations dans notre département, il faut appliquer. Si tu appliques rien que 10%, tu vas faire des résultats. Parce que c'est, on peut même pas finir d'appliquer. Mais les gens suivent, mais ils n'appliquent pas. Aujourd'hui, voici, je ne suis pas la seule personne. Donc, je vais te laisser dire un mot. C'est le top leader, Valdo Vodjelonet. Vous êtes en train de te poser la question, qu'est-ce qu'on a fait pour être ici? On n'a rien fait d'extraordinaire. On a juste appliqué les formations que nos grands parents ont mis à notre disposition. On a appliqué et les résultats sont là. Donc si tu veux être à Dubaï, être ici à Burj Khalifa, 125e étage, travail dur qui se base sur ton business, sans focaliser, les résultats seront là. Ciao, ciao. Yeah. Et moi, c'est leader Kodwe Rosalie. Je suis à Dubaï grâce à l'Enrich. Mon somme, recommande que tu pourras te payer. C'est Better Life, Better Future. Ok, donc voilà, plusieurs partenaires de l'équipe étaient présents ce jour-là, voilà, à Burj Khalifa. Donc, ce sont des moments vraiment extraordinaires à partager avec ses fioles, ses sous-fioles et tout ça. Donc, voilà un peu.
Donc c'était vraiment magnifique de partager ces moments avec ses partenaires. Donc aujourd'hui, beaucoup mettent la faute sur Dieu, voilà, c'est Dieu qui a voulu, etc. Non, moi je dis toujours, c'est pas Dieu qui a voulu, c'est toi qui a voulu. Parce que Dieu nous a donné toute cette chance-là de pouvoir manifester sa gloire, de pouvoir dire réellement qu'il est ce Dieu puissant-là. Donc nous avons des idées pour créer tous ces environnements-là. Et là, nous étions sur la traversée, voilà, au niveau de l'ancien Dubaï, nous étions en direction vers Deira pour visiter le marché voilà, de l'or et tout ça. Donc nous avons expérimenté les bateaux, voilà, sur Dubaï, les bateaux, voilà, qui transportent des personnes qui traversent l'eau et tout ça, voilà. Et c'était waouh, des moments extraordinaires. Donc tout ça, ce sont des moments à vivre. Parfois tu vas dire que, ah, Dubaï, moi je connais Dubaï. Non, on connaît pas Dubaï. Une fois, j'ai visité plusieurs fois Dubaï, mais c'était la première fois d'expérimenter ces moments là avec le bateau. Tu vois un peu, tu vas dire, ah, moi Dubaï je connais. Non, tu connais pas Dubaï. Il faut que tu vives tous les instants là. C'est comme on dit, Dubaï Mall, c'est l'ensemble de plusieurs stades réunis. Vous voyez un peu, mais on ne peut jamais finir de visiter. Vous voyez un peu. Donc, on a passé des moments vraiment extraordinaires avec toute l'équipe et chacun avait vraiment acquis de l'expérience, acquis de nouvelles visions. Et au sorti de là, plusieurs partenaires ont changé de rêve en fait. Beaucoup avaient des rêves, comment manger matin, midi, soir, mais ils ont compris que ça ne se limite pas là. Ça se limite à changer de vie. Et là, j'étais en mode saoudien. Donc, nous étions en préparation pour aller dans le désert de Safari. Et là, on était dans l'appartement de Sheikh Saïd. Voilà qui. Voilà, donc vous pouvez visiter cette vidéo-là sur ma chaîne TikTok. Voilà. Et là, avec les Big Lion, voilà, le Big Sheikh, la Big Lion, voilà, et le Big Nesmo, et notre Big, voilà. Et non, c'était vraiment des moments extraordinaires avec notre chauffeur. Voilà, donc je vous assure, les instants dans le désert du Safari, c'était vraiment quelque chose de waouh. Donc ce business, comme on le dit toujours, on le fait à fond. Et là, nous avons fait des séances moto. c'est magnifique. C'est-à-dire, il faut vivre les choses en fait. Il faut vivre. Rester là, dire, ah, ça, je connais, je sais comment ça se passe. Non. Il faut vivre cet instant-là. Quand tu vis, ça te donne une chance encore de pouvoir, voilà, upgrader, c'est-à-dire une mise à jour de ton esprit pour voir réellement que où tu es aujourd'hui, tu n'es pas encore arrivé. Tu dois travailler dur. Tu dois travailler pour pouvoir devenir ce champion-là. Est-ce que vous voyez? Et là, tout le temps, dans le désert du Safari, on était le coucher du soleil, les séances à moto, vraiment. Waouh. J'ai adoré. Et ouais, un peu. Donc après maintenant, les véhicules maintenant, avec ces moments-là, il faut vivre pour croire. C'est vraiment, ça donne de la sensation forte. Je vous assure, c'était génial. Les 4x4, c'est pas de n'importe quel 4x4. Hein. Tout dans le désert comme ça, avec les sables, tout ça. On descend, on remonte, beaucoup de leaders avaient peur, mais c'était des moments pour dire que voilà, on doit se libérer de la peur pour travailler dur. Pour... Le futur, yeah. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, mon top. On vit la vraie vie, la vraie aventure. Vraiment, les filles, ressaisissez-vous. Parce que ça, là, je ne m'attendais pas à ça. Ça me dépasse. Merci, Longrich. Merci, les top. Rendez-vous au sommet. Le désert, tout dans le désert et la science de danse, voilà. C'était vraiment des stars, waouh. C'était waouh. Et à l'instant où je parle, dans la vidéo, on était avec le big champion, Fahé Mess, notre coach, qui était aussi là aussi pour vivre ces moments-là. Vous voyez un peu. Donc, il était en vacances avec sa famille. Donc, on a profité pour le rencontrer, faire des séances photos et tout ça. Et vous voyez un peu, c'est Dubaï. Et là, nous sommes rentrés à l'hôtel le lendemain matin. Voilà, le déjeuner avec des big leaders. Waouh. C'est-à-dire, le buffet, on mange tout ce qu'on veut. On pouvait manger tout ce qu'on veut autant de fois qu'on voulait. Vous voyez un peu. Moi, j'étais en mode, voilà. Les riches ne mangent pas beaucoup. Les riches ne mangent pas beaucoup.
Et pour ça, nous disons merci à cette opportunité, Longreach, qui nous offre tous ces instants-là. Et après avoir fini de manger, nous étions en mode shopping. Voilà, on est allé visiter aussi l'aquarium de Dubai Mall. Voilà, c'est vrai, comme je l'ai dit, on a effectué plusieurs voyages. C'était ma première fois de rentrer dans ces endroits-là. Vous voyez, il y a des endroits magnifiques dans ce mall-là. C'est pas comme le mall de Yopougon, tu rentres, tu peux faire le tour en 15 minutes. Non, non, tu ne peux pas finir de visiter ce mall. Il y a des endroits vraiment incroyables. Vous voyez un peu, des poissons, des requins, tout ça dans ce aquarium. Voilà, donc c'était fabuleux avec des partenaires, ils étaient vraiment en joie. Et c'est en même temps une formation pour dire que si toutes ces personnes-là ont réalisé ces choses-là, nous pouvons réaliser ces choses-là. Regardez Dubaï, c'était un désert. Et aujourd'hui, c'est un désert, toujours désert, mais regardez ce que les gens ont créé là-bas. Et nous avons la bonne végétation, un bon climat, donc nous pouvons créer ces choses-là. Mais on ne peut pas créer ces choses avec la parole, c'est avec de l'argent. Et Longreach nous offre l'opportunité de bien développer l'activité. Et demain, nous allons créer ces choses-là en Afrique. Vous voyez un peu, quand j'ai visité ces endroits, quand je suis revenu à Abidjan, vous voyez un peu, ma manière de penser, mes rêves ont été actualisés. J'ai vu que je dois créer des endroits touristiques, des endroits vraiment, mais il faut de l'argent. Donc du coup, je dois me mettre au travail pour bien développer cette affaire, pour bien développer mon équipe. Et demain, je vais changer mon village, je vais changer ma ville et tout ça. Et si on est nombreux, si on est 10, 20, 30 personnes, waouh, vous voyez un peu. Ah, ça c'est vraiment Dieu. Il y a des espèces dans la nature. Il est grand ce gars. On l'a vu. Waouh, waouh, waouh. C'est pas un petit crocodile. Hein. Ah, il est grand, il est grand. Et là, voilà, ça c'était en miniature, pas réel. Voilà, ici c'était genre. Vous présenter sinon. il va mordre quelqu'un, c'est sûr. Voilà, moi j'avais tellement peur, donc je me suis pas approché, on sait jamais. Waouh, donc le Big Nesmo, voilà, il était là. Et là, nous avons continué la visite. Tout ça, nous sommes dans le mall, hein, à l'intérieur du mall. Vous voyez un peu, il y a des espèces vraiment extraordinaires. Ça, ce sont des dessins, voilà. Et là, nous avons des poissons, tout type de poissons, souvent même, parfois même des méduses, voilà. Et tout ça, il y avait un espace chocolat, ce jour-là, à Dubai Mall. Waouh, vous voyez un peu, un mall. Et là-bas, c'est pour les riches. C'est-à-dire, si tu t'en vas là-bas, faut te dire que tu es un vrai dégoût. Voilà, un vrai dégoût en fait. Et là, il est 17h-18h par là. Donc, nous étions à la fontaine. Voilà. Et pour admirer un peu ces merveilles. Waouh, 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 waouh. Et là, j'étais tellement fatigué, voilà, donc je me suis assis à quelque part. Et là, nous étions. Et là, après, nous avons fait une sortie privée, voilà, on partait dans les affaires personnelles, voilà. Et là, nous avons pris un taxi de l'hôtel VIP, hein. C'est pas les taxis où on est poussé à allumer ici, hein. Voilà, VIP. Et ce qui est impressionnant à Dubaï, vous voyez, les arrêts de bus, là, les endroits d'arrêt de bus, c'est climatisé. Waouh, il y a la vie ailleurs, mon gars. Arrête de prier, il faut travailler pour réaliser ces choses-là. On peut vivre le paradis ici avant d'arriver dans le vrai paradis. Ouais, un peu. Et là, on était vraiment. Non. Il faut voyager pour voir que il y a la vie ailleurs. Il y a la vie ailleurs. Il y a la vie ailleurs. Donc, je vous invite réellement à revoir votre pensée. Voilà, votre manière de penser. C'est très important. Parce que si tu penses que tu gagnes, tu vas manger aujourd'hui, demain, puis c'est fini. Mon gars, tu n'as rien encore fait. Voilà Dubaï, les rues propres. Même pas un bout de papier dans la rue. Et ce qui est truc, c'est que à Dubaï, lorsque tu jettes des ordures dans la rue, il y a des caméras un peu partout. Voilà, la ville la plus sécurisée du monde. Des caméras un peu partout qui filment tous tes faits et gestes. Donc, en jetant les ordures, tu vas payer une amende de 1000 dirhams. Ce qui équivaut à environ 180 000, 160 000 euros, tout ça. Vous voyez un peu, donc tout est propre. Là-bas, on ne grille pas feu. Tu as grillé feu, c'est comme tu as tué quelqu'un. Vous voyez un peu. Mais encore, tu vois ici. Vous voyez un peu.
Donc on peut vivre ces moments-là, on peut transformer notre pays, on peut transformer notre ville comme ça à Dubaï. Mais il faut des leaders, pas un leader coulé, un leader debout, vrai debout, hein. Pas debout, tu as 500 millions dans ton compte. Non, c'est pas ça le debout. Un debout qui prend des décisions vraiment de debout en fait. Et là, le mall que vous voyez juste à côté là, c'est le mall de notre hôtel. Voilà, Pullman 5 étoiles. Et à l'intérieur de l'hôtel, il y a un mall qui est juste derrière. Voilà, un grand mall. Voilà, de debout aussi. Hein. J'ai fait même des achats là-bas, tout ça. Je suis un petit debout. Donc, vous voyez, c'est vraiment waouh. Et là, voici l'hôtel tout droit devant nous. Et après nos courses, puisqu'on était quitté au marché de l'or, donc on se retenait à l'hôtel et tout ça. Waouh! Et là-bas, chaque matin, il faut manger, il faut se lever. Waouh! À midi, tu dois manger. Oh, c'était vraiment waouh! J'ai quand même pris 2 kilos. Voilà mon retour d'Abidjan. Mais en ce temps-là, il faisait très chaud. Très chaud à Dubaï. On était en environ 43-45 degrés. Voilà, tout ce temps-là. Voilà. Donc, du coup, là-bas, les gens aiment beaucoup sortir la nuit. Voilà, par rapport à la journée. Donc, vous allez voir que la majorité des magasins sont fermés entre 8h et 15h par là. Donc, du coup, les gens ouvrent. Voilà. Et non, je suis mignon quand même. Mais les gars, c'est l'homme riche qui fait ça. C'est l'homme riche qui fait ça. Voilà. Habillement d'un vrai debout, hein. Voilà, donc c'est l'ange qui fait ça. Et là, bonsoir, en position pour aller à la marina. Moi, je vais super bien. Et nos leaders voulaient donner des informations. C'est vraiment réel. C'est consommer recommandé. Et là, tu auras tes voyages et tes bouches de tout. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao. Yeah. Ouais, le big. Tranquille, respect. Ce business, on le fait. Comment? Plus que à fond. Ah, absolument. Je suis fan de l'habillement. Voilà, très bien habillé. Ouais. Voilà, c'est l'ange qui fait ça. Voilà, un bas. Le deux bien habillé. Oh, c'est l'ange qui fait ça. Voyez un peu. Le big de Soubessan. Très bien. Wow. Vous regardez vraiment, c'est vraiment merveilleux. Il y a toute cette belle vue là. C'est vraiment merveilleux. Tout ça grâce à l'ange riche. Faites l'ange riche aussi comme moi. Vous allez visiter les points paradisiaques. Yeah. Mon frère, viens essayer ce business. Viens faire ce business. Ne reste pas dans ton coin et souffris et tu vas dire c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de changer ta vie. Donc voilà, et nous étions en direction pour la marina. Dubaï, c'est un autre level. Dubaï, oh non. Les rues. Est-ce que vous avez vu depuis en film et autres, vous avez vu un endroit où il n'y a pas de route, où il y a des trous. Non. Ils sont nos dodans comme ça. On dirait qu'ils vont prendre pour tuer quelqu'un. Mais là-bas, les dodans sont chocos en fait. Juste doucement. Doucement. non. La propriété de la ville. Et là-bas, comme ça, le gouvernement mise beaucoup sur la sécurité et la propriété. Voilà. Donc, du coup, voilà. Tu peux laisser ton téléphone dans un endroit. Tu vas le tourner jusqu'à quand tu vas venir retrouver ton téléphone. Sans problème. Voilà. C'était vraiment magnifique, hein. Voilà, regardez là, les constructions, la verdure, tout ça. Oh. Je rêve d'habiter à Dubaï. Je veux m'acheter un appartement et puis voilà. Oh, les buildings, même on n'en parle pas. Ici même en Côte d'Ivoire, on a juste un petit building là, tout le monde. Yeah, non, Côte d'Ivoire. Mon gars, faut voyager. Quand tu voyages, tu reviens. Ta manière de parler même, de réfléchir, voilà, tout ça, ça change en fait. Et là, nous étions en train de monter dans le bateau, voilà, pour la croisière, avec des big leaders. Aujourd'hui, tu es un salarié, tu es un fonctionnaire, ouais. Et tu penses que tu es le seul bénéficiaire. Tu touches du bois, le jour tu n'es plus, comment est-ce que tu fais? Et grâce à ce projet, aujourd'hui, comme ça, je suis fier de moi-même. Parce qu'aujourd'hui, ce projet m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Ce projet m'a permis de garantir l'avenir de mes enfants. Vous voyez un peu. Je n'ai même pas encore 40 ans. Vous voyez un peu. Venez ensemble, allons travailler. Tu as un salaire, tu es content, tu te donnes corps et âme pour ton boss. Mais tout du bois, si tu tombes malade, ils vont te remplacer très rapidement. Quelqu'un d'autre va venir occuper ton poste. Est-ce que tu vois? Donc engage-toi dans ce. Et nous allons profiter, nous allons changer de vie, nous allons
vraiment triomphé. Ok, voilà. Donc c'est juste ce petit message que j'ai pour toi. Wow. Parce que ce projet, ouais, c'est tous ces endroits là. Donc on a fait un peu le show, voilà, sur le bateau, on a déjeuné. C'était wow. Il faut voyager, mon frère, il faut voyager. Arrête de dire non, c'est la volonté de Dieu, tu souffres, tu n'arrives pas à manger deux fois par jour. Non, voici un business simple. Engage-toi avec juste 85 000. Le plus faible quitte. Et puis fais comme le Big Thierry en mode OPA. Oh non. Oh, c'est vraiment. Waouh. Donc, je pense bien que dans le prochain voyage, on va se retrouver. Voilà le Big Leader, le Big. Et non, le PA était dosé ce jour-là, sur le bateau. Waouh. On doit vivre, les gars, on doit vivre. Et non survivre, on doit vivre. Donc la musique, waouh, c'était vraiment génial. Waouh. Ah, le PA était dosé. Le PA était dosé ce jour-là. Ah non, c'était magnifique, extraordinaire. Voilà, nous avons dansé, nous avons bu, voilà. Moi aussi, j'étais en mode PA. Waouh. Non, cher leader, tu dois travailler, bosser. Le business, il est simple, voilà. Il suffit de juste inviter tes connaissances, tes amis à devenir partenaires. Et puis voilà, profiter de ce... Donc tu vois, profiter de ces moments extraordinaires, waouh. C'était vraiment fantastique. Donc, Big Leader, voilà, la vue, c'est-à-dire, tu peux voir à la télé, mais quand tu vois de façon directe, sans écran, c'est vraiment extraordinaire. Ça guérit plusieurs maladies. Donc, je veux que tu profites, voilà, tu profites de ce business-là pour changer ta vie. Il y a des endroits paradisiaques dans le monde. Il faut qu'on arrive à visiter ces endroits magnifiques-là. Et nous allons vivre le rêve, nous allons vivre le paradis sur la terre ici. Mais tout ça, bah, une décision que tu dois prendre à partir de maintenant. Tu dois bien faire ton business autrement, bien développer ton activité, tu vois. La vie est ailleurs. C'est bien vrai qu'on est né en Afrique, mais on doit vivre. On peut transformer. Tu es un leader. Et ce leader-là, ce n'est pas pour rester là, puis manger, ricoucher, te plaindre. Non, carburant est devenu cher, tant. Non, ce leader-là doit exploser. Ce leader-là doit voir grand. Tu dois rêver grand. Tu dois avoir des objectifs clairs, bien définis. Pour que demain ta vie change, pour que demain on parle de toi partout grâce à ce business. Tu dois impacter des générations, tu dois impacter des personnes, tu dois motiver, tu dois inspirer des personnes en tant que leader. Il ne faudrait pas rester là leader qui n'inspire pas. Un leader qui n'inspire pas n'est pas un leader. Un leader doit inspirer, doit motiver des personnes. C'est-à-dire quand des personnes te voient comme ça, tu dois être une référence dans ton domaine. Tu dis, ah, je m'inspire. Quand je te vois, aujourd'hui, quand je reçois ces gens de messages, vraiment leader, tu m'as inspiré. C'est grâce à toi, je continue le business. C'est grâce à toi, je suis en train de changer ma vie. C'est vraiment waouh. Regarde toutes ces personnes-là, ils ont profité de ce voyage. C'était vraiment fantastique, leader. Donc, je t'encourage à être parmi nous. Voilà. Et nous allons changer le monde. Nous allons transformer l'Afrique. Nous allons aider le maximum de personnes à changer de vie. Comme on le dit avec l'ange, c'est le better life, better future. Tu vois un peu. Ah non, des leaders charismatiques, très bien habillés, voilà, pour profiter de ces moments-là. Tous ces leaders que vous voyez, ce sont des personnes qui ont bossé, qui ont travaillé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de visiter tous ces endroits magnifiques de Dubaï. Toi aussi, tu peux y arriver. Il suffit simplement de t'engager, de bien faire l'activité. Parce que ouais, là, nous étions à Emirates Mall, voilà, le premier mall de Dubaï. Et nous avons fait des séances photo, voilà, immortaliser ces moments-là. Nous étions au niveau du ski de Emirates Mall, voilà. Cette fois-ci, nous n'étions pas à l'intérieur, nous étions à l'extérieur pour faire des photos et tout ça. Et là, nous avons un pont vraiment extraordinaire. C'était vraiment magnifique. Et là, on partait pour un déjeuner dans l'un des hôtels du groupe Accor. Voilà, c'était vraiment magnifique. Dubaï, c'est un autre level, comme on le dit toujours, c'est un autre level, c'est le futur. Si tu veux faire voyager ton esprit, tu veux, voilà, c'est vraiment waouh. Et nous avons fini notre séjour, et là, on était en préparation, on était en train de monter dans le car pour Dubaï, aéroport, vous voyez un peu, c'est vraiment extraordinaire. Donc, oui, ça c'était à 5 heures par là,
puisque le vol était prévu à 6h40. Donc on se dirigeait vers l'aéroport. La ville est tellement mouvementée, vous voyez. Et la nuit là, on arrivait dans des coins où des personnes étaient en train de nettoyer des panneaux, en train de laver. Mais vous voyez, c'est la propreté qui compte en Dubaï. Donc je t'invite, leader, voilà, à t'engager dans cette opportunité. Long Rich, c'est du better life, better future. Vous voyez, tout ça, moi je dis aujourd'hui, je fais ces différents voyages, tous ces voyages-là, parce qu'un jour j'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai décidé de rêver. J'ai décidé de changer ma vie, de changer ma situation. Et aujourd'hui, juste avec 85 000 francs, j'arrive à visiter ces endroits. J'arrive à vivre la vie de rêve. Et tout ça parce que j'ai décidé. Toi aussi, tu peux décider. Toi aussi, tu peux dire aussi que moi aussi, je veux changer ma vie. Je veux changer ma famille. C'est possible. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour toi, leader. Donc, après avoir suivi cette vidéo, change ton plan. Réécris ton rêve, tes objectifs et travaille en fonction de cela. Parce que c'est possible pour toi de pouvoir changer de vie, de pouvoir aider, de pouvoir inspirer des personnes aussi à changer de vie. Vois un peu, ça c'est l'aéroport de Dubaï. Et là, on avait déjà fini l'enregistrement, on était en attente pour pouvoir faire direction dans l'avion Emirates. Vois un peu, c'était un Bouic, voilà. Donc leader, et là, on est en position de décollage, voilà, on était déjà prêt et direction Abidjan. Voyez un peu. Donc, cher leader, la vie, c'est un rêve. Vivre ses rêves, c'est une réalité. Et c'est possible en démarrant ce projet long riche. C'est possible. Voilà. Ne regarde pas ta situation pour dire c'est difficile. Décide aujourd'hui parce que ce que tu veux avoir demain dans ta vie, c'est maintenant que tu décides. Voyez un peu. C'est maintenant que tu décides. Prends le vol maintenant. Décide de devenir partenaire de Longreach. Décide de bien faire les choses. Décide de suivre les formations. Et je t'assure, si tu fais bien les choses, tu vas changer de vie. Donc, leader, je te fais confiance. J'ai confiance en toi, même si tu n'as pas confiance. Et je sais que si tu t'engages, tu essaies, tu fais bien, tu vas réussir. Tu vas vivre ton rêve. Tu vas aider le maximum de personnes dans ta famille. Tu vas être cette personne de référence. Cette personne qui inspire des générations. Cette personne qui inspire des personnes. Vois un peu, tout ça, ça a été un rêve. Tout ce que tu vois autour ici, ça a été un rêve de quelqu'un. Toi aussi, tu as des rêves et ces rêves-là, tu dois les réaliser. Et Longreach est là pour nous aider à réaliser ces rêves-là. C'est vrai, on est allé à l'école, mais aujourd'hui, aller travailler pour quelqu'un, tu vois que quand tu calcules, même si tu as un salaire, tu calcules sur 50 ans, tu vois que tu ne pourras pas vivre ces rêves-là. Mais aujourd'hui, Longreach nous donne la possibilité de vivre ces rêves-là avec le marketing des réseaux. Engage-toi. Et rendez-vous, il est au sommet. Au sommet, il y a de la place pour tout le monde. Cher leader, rendez-vous au sommet. Merci.